C'est la journée, c'était dur hein, parce que là on avait une réunion. En plus, l'ordinateur a bugué donc on était obligé de faire tout un tas de démarches. Mon dossier qui devait prendre 10 minutes, j'ai pris une heure pour le faire. Là, je suis crevée de chez crevée, j'en peux plus là. Ouais, non, non, mais là c'est bon. Hein. Les collègues étaient un petit peu durs là. En plus, oui, voilà, la même en plus, là elle est un petit peu pénible. Mais là, j'ai qu'une envie de rentrer. J'espère que je vais pas galérer dans le train là parce que là c'est bon. Là je vais prendre le train là bientôt. J'arrive à la gare, donc c'est pas sûr que ça passe. Bonjour madame, excusez-moi. J'ai une petite question à vous poser. Oui. Si Jésus revient demain, que ferez-vous? Eh bien, c'est une bonne question. Allez. Alors, je vous donne ce petit prospectus. Donc, c'est un séminaire justement qui nous explique le retour de Jésus. Mm-hmm. Il reviendra bientôt et il faut que vous soyez prête pour le retour de Jésus. Mais là, ce serait dommage de rater l'appel du Seigneur. Mais là, je ne veux pas rater le train. Merci. Mais ne ratez surtout pas l'appel. Merci beaucoup. C'est le plus important. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, madame. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon cœur. Comment vas-tu? Quelle journée, je te dis pas, je suis fatiguée. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, boulot. Figure-toi que les investisseurs là dont je t'avais parlé, oui. Eh bien, ils ont décliné leur offre. Mmh. Et oui, tout ça pourquoi? À cause de nos ordinateurs qui bug et qui rament, on perd du temps dans le traitement des dossiers. Résultat, on perd les contrats, c'est on perd des sous. Et la direction refuse de changer les ordinateurs. Restrictions budgétaires. Et pour couronner le tout, ma petite collègue hypocrite Valérie, elle s'est permise d'entrer dans mon bureau pour, voilà, une fausse compassion. Alors qu'elle n'attend qu'une seule chose, c'est de prendre ma place. Alors, de toute façon, elle, je l'observe, je la surveille et je n'ai pas dit mon dernier mot. De toute façon, je vais régler tout ça. Chérie, calme-toi. Je sais que tu es très coriace et tu ne vas pas te laisser faire. Mais Dieu est là. Je prierai pour ça. Mm-hmm. Non, mais t'inquiète, je vais me débrouiller toute seule. Je préfère. Mais bon, et ta journée, ça a été? Ne m'en parle même pas. Le travail, c'est toujours aussi fatigant. Mais grâce à Dieu, elle s'est super bien terminée. Tu sais, après le boulot, je suis allé au séminaire dont je t'avais parlé, tu te rappelles, sur la fin des temps. Et ça m'a vraiment touché. Parce que le message qui est sorti, c'est que Jésus revient bientôt chercher son église. Ok, tu t'en formidable, c'est super. Mais est-ce que tu peux m'en reparler après? Chérie. Non, là, je n'ai... Non, non, pas maintenant. Là, la seule chose que j'ai envie de faire là, c'est de prendre une douche. D'accord? D'accord. Et puis... on en reparle après. Bon, mais écoute, je finis encore quelques dossiers et puis on sort tout va table. Okay. D'accord? Ok, à tout à l'heure. Chérie, je vais te parler du séminaire sur la fin des temps. Oui. Celui que tu n'as pas vraiment tout entendu. En fait, il était vraiment profond. Il parlait du retour de Christ. Je sais que tu ne veux pas trop écouter ce que je te dis. Parce que moi aussi, à une époque, voilà, j'étais un peu réticent. Mais prends ce temps, c'est très important pour toi. Emmanuel, arrête, d'accord? Tous les soirs, tu me parles de Dieu, depuis ta conversion, je n'entends que ça. Chérie, comment ne veux-tu pas que je t'en parle de quelque chose qui est très important? Pour ma vie, mais pour ta vie surtout. Parce que Jésus, lorsqu'il reviendra, il va enlever son église. Et s'il revenait maintenant, que ferais-tu? Chérie, pas ce soir, d'accord? Là, la journée a été vraiment trop fatigante. Je suis exténuée et... Chérie... Il est tard, je préfère me coucher. Et d'ailleurs, tu dois faire la même chose, ok? Bonne nuit. Bonne nuit. Dieu Tout-Puissant,
Je te prie ce soir. Je t'invoque, Seigneur, afin que tu puisses te révéler à Sarah, comme tu l'as fait avec moi. Seigneur, ton amour est immense. Et tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Alors ne tiens pas compte du temps, Seigneur, que Sarah est à train, Seigneur, de te refuser. Mais maintenant, agis. Je te prie parce que j'aime ma femme. Et j'aimerais vraiment qu'elle soit sauvée et enlevée avec toi. Sois loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous demande de me laisser votre voix dans la petite boîte qui va vous enregistrer là. Madame, madame, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je vais devoir une femme disparaître de sa voiture. Comment ça disparaître? Ça ne se peut pas, monsieur. Ça va? Je l'ai vu de me proposer disparaître de sa voiture. Elle s'est déplacée sur la droite. Mais une personne ne peut pas disparaître. C'est pas possible. Je vous dis. Monsieur, tu es dans ma voiture et là mes enfants ont disparu. Je sais pas. Vous êtes aussi? Oui. Mais c'est pas. En un instant, je sais pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Madame! Vous nous croyez ou pas? Vous nous croyez ou pas? Sarah. Anne, justement, vous savez où se trouve le dossier 22045? Impossible de mettre la main dessus. Ça va, mais vous semblez pas être au courant de ce qui se passe. Au courant de quoi? La moitié des employés a disparu. Jimmy, Elise, Yann et les autres, je comprends plus rien. Anne. Respirez, soufflez, d'accord? De quoi parlez-vous? C'est la panique générale, des gens disparus en une fraction de seconde. Pas tout le monde apparemment. Sarah. Valérie. Vous n'avez pas disparu, vous. Tout comme vous. Voilà le dossier 22045. Anne, ressaisissez-vous, voyons. Ne cédez pas à la panique. Des collègues ont disparu. Déjà dans la rue ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Emmanuel, il m'a même pas rappelé. Je vous demande de me laisser votre voix dans la Encore le répondeur, mais c'est pas possible ça. Là, tout de suite, là. Allô Emmanuel, depuis ce matin j'essaie de te joindre, c'est pas possible là, je n'arrive pas à te joindre. Mais tu es où? Il faut me rappeler là, c'est urgent là, il y a plein de choses qui se passent autour de moi, je ne comprends pas. Et ça commence à m'inquiéter, il est déjà 17h, tu ne m'as pas appelé Emmanuel, il faut me rappeler. Ok, rappelle-moi, c'est urgent, je commence à m'inquiéter. Rappelle-moi, je t'aime. Bisous. C'est bizarre ça. Mais c'est hier qu'elle m'a donné ça. Le séminaire sur la fin des temps. Peut-être que j'aurai des réponses à mes questions. Ah, il y a une adresse. Allez, je vais y aller. Allez, j'y vais.
Vous? Mais je vous reconnais. Vous êtes la dame de la gare. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des enfants qui ont disparu. Il y a des collègues qui ont disparu. Je n'arrive pas à joindre mon mari. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Votre mari a été enlevé, madame. Mais non. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus sincèrement dans leur cœur ont été enlevés. C'est l'enlèvement de l'église. Comment ça? Regardez. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il est écrit: en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, c'est-à-dire votre mari et tous les autres qui seront encore en vie, seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, ils seront toujours avec le Seigneur. Mais c'est pas possible. Emmanuel avait raison alors. Tous les soirs, il me parlait de Jésus. Hier soir encore, il m'a parlé de séminaire sur la fin des temps. Mais je le voyais balader. Je le voyais balader. Mais c'est pas possible ça. Mais vous, mais c'est vous-même qui me parliez du retour de Jésus. Je sais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je sais. Je vous ai tellement méprisé ce jour-là. J'ai même souhaité que vous ne soyez pas enlevé. Vous vous rendez compte? Mon mari, Claude, était le pasteur de cette église. Et il a été enlevé, pas moi. Mais comment ça? J'avais une grande responsabilité dans cette église. Tout le monde m'appréciait. Mais tout ce que je faisais pour le Seigneur, je le faisais sans amour. Le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, c'est le Seigneur qui entreront dans son royaume. Et c'est vrai. Parce que dès que le chrétien chutait ou était éprouvé, je le méprisais. Je méprisais les faibles. Claude, mon mari, lui, il priait avec foi, avec amour, persévérance. Et lui, il a été enlevé, pas moi. J'ai honte. J'ai honte. Mais ça veut dire qu'on est quoi ici, là? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je crois que ce que nous allons vivre maintenant dépasse tout ce que vous avez pu voir auparavant. La puissance du mal sera déployée avec force. J'ai aussi peur que vous. Mais, Yasmin, avant de dormir, il m'a posé la question. Si Jésus revenait demain, qu'est-ce que je ferais? Bien, j'ai la réponse.